Un couple de touristes britanniques est attaqué par un inconnu en plein cœur de l'outback australien. L'agression déclenche une des enquêtes les plus importantes jamais lancées en Australie. Mais il n'y a aucune trace de l'assaillant, pas d'arme du crime et pas de corps. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ça se présente très mal. Après quelques jours d'enquête, les soupçons se portent sur l'une des victimes. Qu'est-ce qu'elle cache? Les gens se posaient la question. Sydney, en Australie, janvier 2001. Célèbre pour son opéra, la ville qui a accueilli les Jeux Olympiques quelques mois auparavant propose d'innombrables activités. En couple depuis 5 ans, Peter Falconio, 28 ans, et Joanne Lees, 27 ans, sont deux routards britanniques. Depuis quelques mois, ils vivent à Sydney. Dernière étape de leur tour du monde. Joanne avait trouvé un boulot dans une librairie et Peter travaillait pour une entreprise qui installait du mobilier de bureau. Tous les soirs, après le travail, il allait la chercher et ils allaient boire un verre avec des amis. Il s'était parfaitement adapté au mode de vie australien. Au bout de 6 mois de cette existence trépidante, le couple décide de changer d'air. Il veut visiter l'Outback, l'arrière-pays australien, une région magnifique, mais déserte. Voyager dans l'Outback peut s'avérer dangereux parce que c'est très isolé. Si on a une panne de voiture et qu'on se retrouve immobilisé sous un soleil de plomb, ça peut avoir des conséquences graves. De plus, c'est une région très peu peuplée. Si on a le malheur de tomber sur des gens louches, on aura du mal à trouver de l'aide. À moins de croiser un autre véhicule, mais c'est plutôt rare dans ce coin de l'Australie. L'après-midi du 14 juillet 2001, le couple quitte la ville d'Alice Springs, au cœur de l'Outback. Ils sont partis d'Alice Springs en direction du nord et se sont arrêtés à Tea Tree pour admirer le coucher de soleil. Joanne a raconté qu'ils avaient fumé un joint avant de reprendre la route. Vers 19h30, le couple remarque des phares éblouissants qui se rapprochent derrière eux. Peter ralentit pour permettre au véhicule de le doubler, mais celui-ci reste derrière lui. Joanne se souvient de ce qui s'est passé ensuite. On a cru que le conducteur voulait nous signaler un problème mécanique. Peut-être le pot d'échappement, c'était déjà arrivé. On n'avait aucune envie de tomber en panne au milieu de nulle part. Joanne a fait à la police un récit détaillé des événements. Peter conduisait. L'autre conducteur lui a fait signe de s'arrêter. Ce qu'il a fait après s'être demandé si ce n'était pas dangereux. D'après Joanne, Peter descend de la voiture en lui disant d'attendre à l'intérieur. Je l'ai entendu dire, vous avez vu des étincelles sortir du pot d'échappement? Et il m'a demandé d'emballer le moteur. Quand j'ai entendu un grand bang, j'ai cru que c'était un raté d'allumage. Elle se tourne vers la vitre
et découvre un inconnu debout à côté de la porte conducteur, un pistolet à la main. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais morte de peur. L'homme lui dit de se pencher en avant et lui attache les mains dans le dos avec des câbles. Peter a disparu. Il l'a fait descendre de force de la voiture. Quand il essaie de lui attacher les jambes, elle se débat. Il la frappe sur le côté de la tête et la met à l'arrière de son 4x4. Un calme étrange m'a envahi, comme si j'acceptais l'idée que j'allais mourir. Et puis, brusquement, j'ai été terrifiée. J'ai compris que je n'allais pas seulement mourir, il allait me violer. Ça a été comme si je me réveillais, et j'ai soudain trouvé la force de lutter. Joan raconte qu'elle parvient à sortir du 4x4 de l'inconnu et à s'enfuir dans le bush. Dans le noir, son agresseur tente de la rattraper. À un moment, il est tout prêt. Mais il ne la retrouve pas et finit par repartir. Après avoir passé 5 heures cachées sous un buisson, Joan retourne près de la route et arrête un camion. Elle ne reverra jamais Peter Falconio. Son récit déclenche une gigantesque chasse à l'homme. Des barrages sont installés sur les routes. Des équipes en hélicoptère et à moto quadrillent le bush. Mais elles doivent passer au crible une zone équivalente à 2 fois la France. Elles ne trouvent aucune trace de Peter et de son agresseur. Finalement, le minibus du couple est retrouvé à 300 km d'Alice Springs, tout près d'une flaque de sang appartenant à Peter. Malgré toutes nos recherches, nous n'avons trouvé aucune trace de M. Falconio. Compte tenu des circonstances, ça se présente très mal. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, une botte assez gigantesque. L'affaire suscite l'intérêt dans le monde entier. Et des reporters internationaux arrivent en masse dans la petite ville de Barrow Creek. 4 jours ont passé depuis l'enlèvement qui s'est produit le long de cette route à l'endroit indiqué par les cônes oranges. Les journalistes sont avides d'informations. Mais l'unique témoin rechigne à leur parler. Des bruits commencent à courir sur les raisons de son silence. De victime, Joan devient suspecte. D'après certains, son histoire paraît trop incroyable pour être vraie. Elle affirmait qu'on les avait arrêtés en plein désert, que son compagnon avait disparu, elle ne savait ni comment ni pourquoi, et qu'un homme l'avait agressée. Cela paraissait incroyable qu'un événement aussi rare se produise. 11 jours après l'agression, Joan Lees décide enfin de rompre son silence. Accompagnée par un des frères de Peter, elle accepte de parler aux médias. Pendant sa brève déclaration, elle est à peu près parvenue à garder son calme. Je suis optimiste. Je suis convaincue que c'est une question de temps avant que l'homme responsable de ce qui nous est arrivé à Peter et moi ne soit arrêté. Si je pouvais lui dire une chose, je lui demanderais d'expliquer à la police où trouver Peter. Elle regrette également que les médias mettent sa version en doute. J'ai un problème avec la presse qui déforme la vérité et doute de mon histoire. Tous ceux qui m'ont parlé ou qui ont été en contact avec moi me croient.
Il n'y a que les médias qui contestent mon histoire. Pourtant, son apparition ne met pas fin aux spéculations. Beaucoup pensent qu'elle n'a pas l'air d'avoir traversé une épreuve terrifiante. Ce genre de crime est assez rare en Australie. Dans l'Outback, il y a plutôt un grand sens de l'entraide. Tout le monde se connaît. C'est pour ça que ça semblait aussi surprenant. De plus, le stoïcisme de Joanne et sa répugnance à parler pendant les conférences de presse ont jeté de l'huile sur le feu. Qu'est-ce qu'elle cache ? Les gens se posaient la question. Trois semaines et demie après l'agression, l'affaire prend un tour nouveau. D'après le rapport médico-légal, l'analyse d'une tache de sang sur le t-shirt que Joanne portait ce soir-là révèle la présence de l'ADN d'un homme non identifié. Nous avons établi le profil ADN d'une personne de sexe masculin sur les vêtements de Joanne Lees. C'est un indice important dans la mesure où ce n'est ni celui de Joanne, ni celui de Peter. Cette découverte écarte momentanément les soupçons de la presse. Quatre mois après le début de l'affaire, Joanne rentre enfin chez elle au Royaume-Uni. Mais l'identité de l'homme dont l'ADN a été retrouvé sur son t-shirt reste un mystère. Il faudra attendre un an avant que l'enquête ne progresse. En août 2002, un trafiquant de drogue est arrêté par la police en Australie-Méridionale, en rapport avec une affaire d'enlèvement et de viol. On s'est intéressé à plusieurs choses en sa possession, des câbles notamment. Or, les victimes avaient été attachées avec des câbles. Il était armé également et conduisait un 4x4. Après analyse, il s'avère que son ADN correspond à celui présent sur le t-shirt de Joanne Lees. L'enquête va se concentrer sur l'individu actuellement en garde à vue. Nous allons demander sa mise en examen pour le meurtre de Peter Falconio. Malgré l'absence de cadavre et de l'arme du crime, la police considère que la concordance de l'ADN est une preuve incontestable. Le 14 novembre 2003, Bradley John Murdoch est mis en examen pour le meurtre de Peter Falconio. L'année suivante, une audience préliminaire se déroule à Darwin, la capitale de l'État du Territoire du Nord. Elle doit déterminer si l'accusation possède des éléments suffisants pour engager un procès. Bradley Murdoch a été déclaré non coupable dans l'affaire de l'enlèvement et du viol en Australie-Méridionale. De retour en Australie pour l'audience préliminaire, Joanne Lees voit les détails les plus intimes de sa vie privée étalés au grand jour. La presse apprend ainsi qu'au moment où elle vivait à Sydney avec Peter Falconio, elle avait eu une liaison avec un autre homme, Nick Riley. Les dernières révélations concernent l'époque où ces images ont été filmées, peu après son agression. Pendant que la police recherchait son compagnon disparu, elle échangeait des mails avec un autre homme, un certain Nick. Les médias ne s'y attendaient pas. C'est devenu le sujet dont tout le monde parlait. L'histoire avec Nick Riley était pratiquement un aveu pour les médias britanniques. Elle avait une liaison avec cet homme, elle lui envoyait des mails après la disparition de Peter et elle lui donnait rendez-vous à Berlin à son retour. Cela paraissait extrêmement déplacé. Ces révélations ne font qu'alimenter les soupçons qui pèsent toujours sur Joanne.
Mais pour la police, son aventure avec Nick n'a rien à voir avec l'affaire qui est alors renvoyée devant un tribunal. Le 7 octobre 2005, la famille de Peter arrive en Australie. Le monde entier a les yeux braqués sur Joanne. Comment va-t-elle se comporter lors du procès du meurtrier présumé de son compagnon? On découvre alors une femme transformée. Joanne avait complètement changé. Elle soignait son apparence. Elle avait décidé de s'habiller de façon assez stricte, avec des jupes aux genoux, des chemisiers très classiques. Elle n'évitait pas les médias, elle arrivait au tribunal très sûre d'elle et saluait parfois les journalistes devant lesquels elle passait. C'était un changement radical par rapport à la Joanne qu'on avait connue au début de l'affaire. Dès le début du procès, l'accusation doit établir qu'un meurtre a été réellement commis. Elle dispose pour cela de trois éléments. D'abord, le coup de feu entendu par Joanne Lees. Puis la flaque de sang sur le sol, dont l'analyse ADN avait révélé qu'il s'agissait de celui de Peter Falconio. Enfin, le fait que celui-ci, qui était toujours resté en contact avec sa famille, ne s'était plus manifesté. Mais ce ne sont que des preuves indirectes, y compris le sang de Bradley Murdoch sur le t-shirt de Joanne. Le ministère public doit prouver sans l'ombre d'un doute qu'il est le meurtrier. L'accusation présente à la cour les images de vidéosurveillance filmées dans une station-service d'Alice Springs aux environs de minuit le soir de l'agression. Elles semblent démontrer que Bradley Murdoch était sur les lieux au moment du crime. Outre l'ADN, en particulier celui identifié dans le dos du t-shirt de Joanne Lees, l'accusation reposait principalement sur ces images de vidéosurveillance. Joanne Lees a décrit un homme. Le portrait robot établi grâce à cette description ressemblait beaucoup à l'homme que l'on voyait sur les images vidéo. Monsieur Murdoch a déclaré que ce n'était pas lui. L'accusation a affirmé que si. Les images vidéo étaient floues. On a donc demandé à des spécialistes d'établir une comparaison entre l'homme sur la vidéo et Bradley Murdoch. C'est sur la foi de leur conclusion qu'on a admis que l'homme filmé par la caméra de vidéosurveillance était bien Bradley Murdoch. Malgré tout, les images et l'ADN sur le t-shirt de Joanne Lees ne suffisent pas à prouver que Bradley Murdoch était l'agresseur du couple. Le ministère public présente alors un élément plus déterminant. L'ADN prélevé sur les câbles qui attachaient les mains de la jeune femme. La corrélation entre le profil ADN de Bradley Murdoch et celui découvert sur les câbles démontrait un lien non seulement avec Joanne Lees, mais avec le meurtre lui-même, puisque les câbles étaient un élément central de ce meurtre. Mais cette preuve est très controversée. D'après ce que j'ai compris, l'échantillon infime d'ADN recueilli sur les câbles avait dû être amplifié en laboratoire. C'est ce procédé qui a fait débat. L'accusation a obtenu ce que l'on appelait un ADN LCN, c'est-à-dire à faible nombre de copies, recueillies sur les menottes ou les câbles avec lesquels Joanne Lees était attachée. Autant que je sache, c'était la première fois que cette technique était utilisée dans un procès criminel en Australie. Qui plus est dans un procès pour meurtre. Elle avait été mise au point par plusieurs spécialistes, des pionniers dans le domaine de l'analyse ADN en criminalistique. Lors du contre-interrogatoire,
La défense met en doute la précision de cette technique, baptisée analyse LCN. Il y avait eu d'autres affaires dans le monde où l'analyse LCN avait été utilisée. Les résultats avaient été rejetés parce que cette technique soulevait trop de questions. Cette fois-là, ils ont été acceptés. Le juge n'a pas tranché, mais comme souvent dans des cas similaires, il a simplement demandé au jury de se montrer circonspect vis-à-vis de certaines preuves. Le procureur conclut sa plaidoirie. Mais malgré les preuves fournies par l'accusation, la défense est convaincue de détenir un atout imparable et concentre ses attaques sur le témoignage original de Joanne aux policiers. La jeune femme avait affirmé que l'inconnu lui avait attaché les mains dans le dos. Or, le chauffeur du camion qui l'avait aidée après son agression avait déclaré qu'elle avait les mains liées devant. La défense a dit « Il vous était impossible de faire passer vos mains devant vous ». Pendant le contre-interrogatoire, cette question a été soulevée. Et Mademoiselle Lise a fini par dire qu'elle pouvait en faire la démonstration. Le juge a ajourné la séance à la fin du contre-interrogatoire de la défense. Joanne Lise est allée enfiler un pantalon de survêtement dans une autre pièce. Puis on lui a attaché les mains dans le dos avec une cravate et on l'a fait asseoir à sa place pendant que tout le monde rentrait dans la salle. On avait l'impression que le temps s'était arrêté tant la pression était énorme. Elle s'est assise par terre, a fait passer ses mains devant elle. Et ça a été terminé. C'est un moment décisif dans le procès. Les gens croient enfin la version de Joanne. Le 37e jour du procès à 12h50, le jury se retire pour délibérer tandis que Joanne attend avec toute la famille Falconio. Heures plus tard, le jury rend son verdict à l'unanimité. Pour Joanne Lise, c'est le point final de 5 longues années. L'un après l'autre, les jurés ont déclaré Murdoch coupable. J'imagine l'émotion qu'elle a dû ressentir à se voir donner raison, alors que tout le monde avait douté d'elle. Bradley John Murdoch est condamné à la perpétuité. C'est fini. Il ne pourra plus jamais faire de mal à quiconque. Pendant 5 ans, il a occupé mes pensées et ma vie. Il ne me prendra plus rien à présent. Il reste encore à Joanne à affronter les médias qui ont douté de son innocence pendant si longtemps. Il y a eu un moment très fort quand elle s'est adressée aux médias. Les journalistes s'étaient massés sur les marches du tribunal. La famille Falconio est apparue et Joanne a fait une déclaration. Je crois que le frère de Peter voulait s'exprimer le premier, mais elle l'a interrompu en disant « Non, moi d'abord ». Cette journée marque la conclusion d'une longue période de douleur pour moi-même et la famille Falconio. Elle va nous permettre de franchir une nouvelle étape dans notre processus de deuil et nous vous demandons de nous laisser le pleurer en paix. Ça a été très fort. Comme si toutes les épreuves traversées par Joanne et la famille Falconio pendant toutes ces années, sous l'œil des journalistes, avaient atteint leur apogée. Mais il reste une question sans réponse. Où est le corps de Peter? Le verdict nous satisfait, mais cela ne ramènera pas Peter. Ça a été une période interminable et très dure pour nous. Le plus important à présent est de retrouver le corps de Peter. Ce sera certainement presque impossible. Quand Bradley John Murdoch a quitté le lieu du crime, il est retourné à Alice Springs avant de traverser tout le pays jusqu'à Broome.
Le corps se trouve quelque part dans une région immense, grande comme la moitié de l'Europe. Bradley John Murdoch est le seul qui détienne la clé du mystère. Il n'a jamais avoué. Il n'a jamais reconnu être responsable de quoi que ce soit, ni indiqué où se trouvait le corps de Peter Falconio. S'il veut un jour se racheter, je lui conseille fortement de le faire. Aujourd'hui, Bradley Murdoch continue de clamer son innocence. Le corps de Peter Falconio n'a jamais été retrouvé.